Boom. La nouvelle marque à la mode. Le nouveau track que tout le monde à l'école dans son iPod. Le style qu'il faut que t'adopte. Tout ce qui est caché sous la loi de la norme. Ce qui change ta voix si t'as pas choisi la bonne. T'es comme moi, t'es malade, tu le vois pas quand ça cogne. C'est un virus en mouvement qui dirige les courants, les tendances. En influençant ce que les gens pensent. Des enfants enseignés ont tous sans se gêner. Un peu fêlés, mais on est apaisé par l'image d'Eli à télé. Empoisonné comme la parole d'un évangéliste. On rêve d'attraper la fucking diarrhée de Lily. Frappé si vite, souvent dès la naissance. Mais t'arrêtes de t'en rendre compte si tu prends assez de pilules. Si t'attrapes des idées qui te rendent malade pis sénile, tu fais partie de la masque. Catch le virus, hein. L'envie de plaire, c'est un parasite qu'on abrite, transmissible du regard, comme la main pour la grippe. L'apparence pèse lourd sur la balance, assommante, avalanche, the wannabe star de film, Paramount. Tu propages la rumeur, c'est un virus que tu transmets. T'as pas pu t'empêcher de dire ce que tu pensais. Fait que la rumeur évolue, se transforme. Tu penses comme tout le monde, puis tu frappes sur ceux qui s'y attendent pas. Les mots s'envolent, on les intercepte, les interprète, les façonne, puis on les retransmet. Encodé de notre propre vision, par millions, on veut tous être chefs de la navette, comme Arzillon, c'est le poison visuel. Contamination virtuelle dans le monde réel, c'est une technique un petit peu vieille. Moi je boycotte les campagnes de vaccination. Je suis pour qu'on s'en aille vers l'éducation. Les idées se dispersent comme du pollen durant une journée sèche. C'est juste du téléphone, on transmet les fucking texts. L'info évolue après l'échange des esprits, mais certains concepts restent inchangés par l'inertie. Réfléchis, est-ce qu'on y pense ou on reflète ce qui nous infecte? L'intellect direct et l'épidémie, le subconscient collectif et ex qui connecte au reste. La noosphère, mon bagage culturel s'éternise. J'éternue chaque fois que je parle, je propage mes symboles et mes images régurgées de mon œsophage. On répète et récite des répliques, on les switch et recycle. Que ça soit incroyable ou crédible, les idées sont génétiques. Évite les scripts ou imite et hérite. Que ça vient de ta famille ou des gens civiques. La propagande nuisible et transmissible comme une seringue dans un lance-missile. Le meilleur prend plus vite, on partage au grand public. Même si ça rend stupide, copie connaissance utile. On s'instruit qu'on le veuille ou non par imitation. C'est l'ADN des idées, le virus de l'information.